Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 27 octobre 2023. L'univers aujourd'hui vous parle de floraison, vous parle de confiance, nouvelles aventures, récompenses, un cadeau de l'univers qui vient à vous. Quelque chose qui s'est éternisé et qui enfin se débloque. Vous êtes dans une avancée, dans une récompense, dans... vous vous êtes tellement challengé que du coup, il y a cette sensation qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est plutôt agréable, une journée dans laquelle vous allez être heureux, content dans l'ensemble et juste apprécier les moments de la vie sans vous prendre la tête sur ce qui n'est pas, sur ce que vous n'avez pas, revenir à l'essentiel, l'instant présent et c'est ça à que vous allez donner de la valeur. La valeur à l'instant présent, la valeur à ce que vous méritez et de ne plus vous perdre dans des choses qui, dans la finalité, n'apportent rien. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous commençons par vous, mes amis les Capricornes. Alors, mes amis les Capricornes, aujourd'hui, vous avez la douceur. Il y a cette notion de câlin, d'affection, de la tendresse. C'est une énergie du jour de tendresse, d'amour de soi, se faire plaisir aux autres, en tout cas aux personnes que vous aimez. C'est une journée aussi qui est plutôt agréable, malgré la carte qui vient de sauter, la carte de la noirceur. Mais on te dira quand même que dans son ensemble, tu sens que les choses sont en train de s'élever, que tu es en train de matérialiser, que tu as la force nécessaire pour aller au bout de tes rêves. Et malgré la carte de la noirceur qui peut parler d'un état un petit peu sombre, de pensées négatives, mais que vous allez vite les transformer en quelque chose de positif. Une nouvelle aventure, un nouveau chemin, de nouveaux challenges. Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin avec beaucoup de confiance, en rendant possible ce qui, pour le moment, vous semblait impossible. Le lapin va vous parler de la loyauté, va vous parler également de vos finances. Certains d'entre vous, il y a des interrogations par rapport à vos finances. Est-ce que vous dépensez sur ci ou pas ? Vous êtes en mode réflexion, en mode analyse, en mode j'observe. Oui, c'est réfléchir à deux fois avant de faire une dépense si c'est une somme conséquente. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Les choses sont en train d'évoluer, de changer. Tu reprends position, le pouvoir de ta vie et c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Sors justement de cet état de faiblesse, de cet état de... Et va de l'avant parce que vous avez quand même l'énergie de la douceur pour vous aujourd'hui. Mes amis, les Verseaux. Mes amis, les Verseaux, aujourd'hui, vous êtes sans filtre. Hein, vous êtes ouf. Ça part au quart de tour. Faut pas venir vous embêter. Non, faut pas venir vous embêter. Hein, ça part au quart de tour. Hein. Vous prenez les choses en main. D'ailleurs, c'est la carte de la pureté. Prendre soin de soi, se purifier, sortir d'un état de tristesse. En tout cas, si vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans cet état de pureté, liberté et satisfaction. D'ailleurs, purifiez-vous, allez vers l'extérieur, donnez naissance. C'est mon petit Tingo qui me dit bonjour. Qui, en tout cas, vous donnez des sens à ce que vous méritez. Et ouais, c'est ça. C'est aussi le côté sans filtre qui ressort beaucoup dans le fait que vous êtes pur. Hein. Vous ne faites pas semblant. Vous en avez marre aussi pour certains de porter un fardeau, de porter une responsabilité. On ne vous écoute pas et là aujourd'hui vous êtes sans filtre. Vous allez exprimer, dire les choses ouvertement
et vous lancer dans des choses différentes. C'est plutôt positif. De grands événements, se lancer vers l'impossible parce que vous savez que c'est possible. C'est aussi cela. C'est vous allez vous lancer dans l'impossible parce que vous savez que c'est possible. Donc faites-le, mes amis les Verseaux, parce que détachez-vous de ce que les autres pensent. D'ailleurs, vous êtes dans ce profond détachement, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous libérer. Donc libérez-vous. Mes amis, les poissons. Alors, mes amis, les poissons, on enlève les doutes et on passe à l'action aujourd'hui. Vous n'avez pas peur. Certains d'entre vous, on vous parle de route à faire qui va plutôt se passer dans une bonne ambiance. Vous trouvez au milieu d'un groupe assez intéressant avec qui vous allez partager les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Et ouais, du coup, c'est assez sympa. Il y a cette énergie de sympathie, cette énergie de... Vous avez la carte de la résilience qui vous parle de votre force, de votre courage, de tout ce que vous portez sur le dos. C'est aussi la récompense de vos durs efforts. Vous êtes récompensé, la roue elle tourne. Vous sentez que vous commencez à recevoir ce que vous méritez, puisque les choses évoluent, les choses changent et vous ne portez plus ce fardeau. C'est aussi le fait de ne plus porter un fardeau, de ne plus de oser penser à soi, d'oser s'exprimer, d'oser... en tout cas, vous allez prendre le courage à deux mains d'avancer. Vous avez une très belle énergie qui vous montre votre force et que vous pouvez le faire et surtout que vous devez le faire, se responsabiliser. Par contre, si au niveau professionnel, on te met trop de choses sur tes épaules, eh ben, il est important que tu partages, que tu communiques. Tu vas te trouver au milieu d'un groupe très intéressant qui va être à l'écoute de... Oh, vous avez le 707. Qui va être à l'écoute de votre parole, qui va être dans cette énergie d'échange, dans cette énergie de partage. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Donc, on va vous donner l'envie de vous battre. On va vous donner l'envie de vous construire. On va vous donner l'envie de foncer. C'est ce que l'on te dit aujourd'hui. Mes amis, les béliers. Mes amis, les béliers... On te parle de carapace, ça pourrait te parler de la tortue aussi, de la lenteur. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous, qui sort de sa carapace, ou c'est vous qui allez sortir de votre carapace. C'est aussi le fait qu'une situation se débloque ou quelque chose se bloque. Parce que vous avez the unexpected, c'est quelque chose que vous n'avez pas attendu. C'est quelque chose qui a... ouais, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. C'est ce que l'on vous dit. C'est que aujourd'hui, il y a une situation qui se débloque où vous allez vous bloquer. Faites attention à ne pas vous blesser. Où vous êtes un petit peu trop bloqué, un petit peu trop centré. Où vous allez vous trouver face à des personnes qui sont irritantes parce qu'elles ne changent pas d'opinion. Elles n'ont pas une vision beaucoup plus claire. Et du coup, ça va un petit peu vous agacer. C'est aussi un rapprochement, une surprise qui pourrait venir jusqu'à vous. Quelqu'un qui partage des sentiments, de la valeur. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la grandeur. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait vous demander pardon. Mais il y a cette notion de surprise, il y a cette notion de valeur, il y a cette notion d'échange. Quelque chose de surprenant qui vient à vous. Et c'est plutôt dans cet état d'esprit qui va se dérouler cette journée. Dans cette douceur, dans cette douceur, pas douleur. Douleur, bon, peut-être pour certains, c'est par rapport à la blessure. Hein, parce que sortir de sa carapace, ça porte du blocage. Peut-être vous allez être bloqué du dos, bloqué quelque part, cloué au lit aussi. Alors que vous alliez bien, ça peut être aussi ça, l'effet de vous alliez super bien et là, boum, vous êtes cloué au lit aujourd'hui. Ou, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mes amis, les taureaux. Mes amis, les taureaux, ici, vous avez la soif d'apprendre. La soif de créer, vous êtes motivé plus que jamais, vous y allez là, hein. Aujourd'hui vous y allez, vous êtes, très
très créatif, très ambitieux, dans l'envie de donner naissance à quelque chose. D'ailleurs, certains vont clouer le bec à plus d'un, parce que vous allez exprimer votre opinion, comme ça. Il ne faudra pas venir vous, je dirais, vous faire suer, parce que vous allez clouer le bec à plus d'un. Alors d'ailleurs ici c'est votre foi, c'est également la naissance des projets qui vont donner naissance. C'est le fait que vous vous sentez à votre place, soulagé. Vous faites des pas en avant, des bons en avant d'ailleurs, même pour certains d'entre vous, pour pouvoir toucher à votre bonheur, pour pouvoir... Oui, pour pouvoir toucher à votre bonheur. Vous êtes dans une énergie constructive, vous avez totalement confiance, vous êtes en paix avec vous-même et c'est aussi une situation qui s'apaise, une relation qui s'apaise, des rapprochements, également un projet qui commence à, je dirais, à voir le jour. Vous commencez à recevoir les efforts de votre dur travail, vous commencez à toucher votre vérité, vous commencez à vibrer, à chantonner, vous êtes en paix, vous êtes en joie, c'est aussi le fait d'aller dans la nature pour apaiser votre mental. En tout cas, vous êtes dans une énergie plus que positive aujourd'hui puisque vous avez la foi et la conscience. Mes amis, les Gémeaux. Mes amis, les Gémeaux, ici, pour certains d'entre vous, on vous parle de barrières. Vous pouvez vous trouver dans une situation où il y a soit la barrière de la langue, soit la barrière pour l'âge, soit la barrière financière, mais il y a une notion que vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes stoppé dans votre lancée. Ou vous ne le faites pas parce que vous êtes stoppé dans votre lancée. Vous êtes en train de préparer une fête. Parce qu'il y a la salsa, on vous montre de la fête, on vous montre de la danse, les plaisirs. Justement, peut-être que aujourd'hui, vous allez vous dire que la situation, elle est bloquée, que vous ne pouvez rien faire de toute façon et que vous avez une meilleure chose à faire. Vous avez, vous devez prendre la situation différemment et vous faire plaisir. D'ailleurs, par contre, certains, vous êtes totalement en train de vous faire plaisir dans la relaxation, peut-être en train de prévoir votre week-end qui va être sous le signe du bien-être. Et c'est aujourd'hui le fait de ne pas se prendre la tête et de vivre l'instant présent, de se faire plaisir, d'être dans la douceur, dans l'énergie du cœur. Peut-être attention à la gourmandise, de faire quelque chose qui... faire un petit écart si vous êtes sportif, si vous êtes au régime. C'est pas très bon les régimes, mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion de se faire plaisir, de penser à soi et de se prioriser en fait. C'est ça l'énergie du jour. Aujourd'hui, vous êtes dans la priorisation de votre bien-être, de votre mental. Mais votre mental, c'est important. Mes amis les cancers, vous avez le V de la victoire, le V de la valeur, vous êtes très dans la, dans votre valeur, dans le, ouais, vous êtes centré sur votre valeur, vous êtes centré sur... Vous êtes centré sur votre valeur. Vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Alors, vous avez l'énergie de la protection. Vous vous sentez protégé aujourd'hui. Du coup, on te dit tu peux y aller, tu es protégé, tu es entouré. Si tu as quelque chose d'important à faire aujourd'hui, faites-le.
Faites-le parce que vous êtes protégé. L'univers vous accompagne et l'univers vous incite à y aller, à créer. N'attendez pas, c'est le bon moment, mes amis. D'ailleurs, on va vous inciter à y aller. On vous porte. L'univers vous porte. L'univers est derrière vous, vous envoie les signes pour vous dire vas-y, vas-y et vas-y. On voit réellement que vous êtes dans cette énergie de pousser par quelque chose à vous lancer. Vous êtes sorti de cet état d'endormi, de doute, de peur. L'univers t'invite à y aller, à foncer, à matérialiser. Arrête d'avoir peur, arrête d'avoir des doutes, arrête de trop penser, arrête de trop attendre parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour toi de te lancer, de foncer. Tu es protégé, tu es protégé. Sors de cet état de tristesse et fonce. Il y a des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles de protection qui sont là aujourd'hui. Mes amis les lions. Alors mes amis, les lions, on te dit que la balle est dans ton camp. C'est toi qui sais, c'est toi qui sais, c'est toi qui... Voilà, c'est toi qui sais. C'est à toi de décider, c'est à toi d'acter. En tout cas, c'est ce que l'on te dit, c'est toi qui sais. La balance. Tu es dans le brouillard, hein? Tu es dans le brouillard. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui. Tu as une décision à prendre. Tu es un petit peu perdu. Tu cherches du réconfort. Tu cherches tous les éléments. Et là, l'univers te dit que tous les éléments sont déjà là et qu'il faut juste que tu n'aies pas peur. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu sors de cet état de brouillard. Donne naissance à tes projets. Vas-y, fonce, crée, attire à toi ce que tu mérites, c'est ce que l'univers te dit. Mais il faut oser y aller, il faut aussi prendre des risques. C'est aujourd'hui le fait de prendre des risques aussi. Par contre, certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans quelque chose sans connaître réellement la finalité, mais vous avez envie d'essayer. Essayez quelque chose de nouveau. Ça peut être si vous avez jamais fait de date, peut-être faire une date, faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, vous avez envie de donner une touche personnelle différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est également le fait d'éclaircir une situation, de partager son opinion et de vous soutenir, de croire en vous. C'est lancez-vous dans quelque chose avec tout votre cœur et tout votre amour. Mes amis les vierges, aujourd'hui on te parle de l'accomplissement. On va te féliciter par rapport à ton parcours, par rapport aussi à ce que tu fais. Ah, parce qu'il y a l'énergie des félicitations, les célébrations. On apprécie ce que tu fais. On apprécie ce que tu... D'ailleurs, on te dit, ça sera. Tout ce que tu veux, te veut. Hein. On apprécie. C'est aussi une promotion. C'est aussi le fait qu'on vous félicite pour votre travail. On vous encourage à continuer. On vous encourage à vibrer. On vous encourage à essayer. L'univers est derrière toi, a envie de t'aider à matérialiser les choses et à sortir d'un état de faiblesse, un état de... Non, vas-y, fonce. Aujourd'hui, tu as la récompense de ton dur travail, le fait que tu n'as pas fait opposition au changement, que tu as suivi ta volonté, que tu y as mis tout ton cœur à l'ouvrage, et ben il y a l'énergie de la récompense. Sachant en plus qu'il y a l'énergie de la lune qui est là, vous êtes disposé à recevoir. Vous allez montrer à l'univers que vous avez créé l'espace nécessaire pour recevoir les bonnes nouvelles, pour donner naissance à ce qu'il faut. En tout cas, c'est ce que l'on te dit, les masques tombent, il y a la brillance, il y a le fait de partager son opinion. Et ici, il y a cette notion d'ouverture. On va vous proposer quelque chose,
une stratégie, c'est aussi le fait que vous allez avoir une journée plutôt agréable au travail, où il y a de la récompense, votre travail qui est récompensé, mes amis les Vierges. Vous êtes bien, bien ancrés. Mes amis les Balances. Alors, mes amis les Balances, ici, vous auriez l'énergie de... Je l'ai en anglais, mais... refill, c'est remettre, c'est votre bouteille elle est vide, bah vous allez la remplir. Et ben c'est la même chose, vous avez cette énergie là. Aujourd'hui il va falloir que vous redonniez quelque chose, il va falloir remplir quelque chose, il va falloir remettre de nouvelles énergies. C'est aussi le fait que par exemple bien, il y a de l'argent qui peut venir à vous. Il y a quelque chose comme ça qui vient redonner, renflouer quelque chose, redonner le mouvement. Ça peut être aussi fixer un problème. Ben, vous allez réussir à fixer des problèmes. Rien de tel que de bonnes discussions, une belle interlocution. Et ben, c'est ça que l'on te dit. L'interlocution, la valeur, la joie, voilà. Vous avez cette énergie plutôt positive de vous dire que, voilà, il y a de la joie, il y a de la sincérité, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle croyance, on croit en vous. C'est un retour positif aussi qui peut venir à toi. Et ça, on pourrait aussi t'annoncer la guérison. On pourrait également t'annoncer que tu as aussi retrouvé ta force, tu as retrouvé ton courage, tu as retrouvé ta lumière, tu es victorieux, tu es ambitieux. Il y a cette énergie de recevoir, de renflouer. Il y a une énergie plutôt positive ici pour vous, mes amis, les Balances. Quelque chose qui va vous faire du bien. D'ailleurs, il y a une main qui vous est tendue. Il y a de bonnes nouvelles parce que vous avez l'énergie du cœur et des nouvelles et qu'il y a un partenariat, c'est aider quelqu'un ou quelqu'un qui vous apporte son soutien. Mes amis, les Scorpions, mes amis, les Scorpions. Alors, mes amis, les Scorpions, en ce vendredi, tout est permis, c'est ce que l'on te dit. Aujourd'hui, fais les choses pour toi. Fais les choses pour toi. Pense à toi. Pense à toi. Privilégie-toi. Tu dois avant tout penser à toi. Tu dois arrêter d'avoir peur, arrêter d'avoir des doutes. Et reste centré sur toi. Le focus. Mais oui, il va falloir rester centré sur toi. Il faut que tu te privilégies. Il faut que tu y crois déjà, que tu mettes tout ton cœur à l'ouvrage et que tu y crois, que tu arrêtes d'avoir peur parce que la solution est là. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Reste centré sur ton avenir, reste centré sur ce que tu veux et tu verras que tu apaises ton esprit. Si tu sens que ça titille, que tu as une pensée négative, on te dit de revenir à l'essentiel et d'arrêter d'avoir peur. Il est important que tu arrêtes d'avoir peur. Il est important que tu reviennes à l'essentiel. Il est important que tu ne laisses pas les doutes venir s'immiscer et que tu puisses avancer. Avance. Fais les choses pour toi. S'il y a quelque chose qui peut te faire plaisir aujourd'hui, fais-le. Fais-le. Il est important. Privilégie-toi. Fais les choses pour toi. Pas pour les autres, mais réellement pour toi. Il y a une importance capitale à ce que tu fasses les choses pour toi et que tu... recentre-toi. Tu as l'énergie du chiffre 14 qui va t'animer tout au long de la journée. Transforme ton mental aussi. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, recentre-toi sur une bonne méditation pour nettoyer le mauvais mental et te recentrer sur ce qui est bon. Mes amis, les Sagittaires, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Oh! Et visiblement, celle qui s'ouvre est beaucoup plus... est meilleure pour toi.
Alors ici, il y a la grandeur. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as aussi beaucoup évolué sur ton mental. Aujourd'hui, il y a une belle évolution. Tu te rends compte de tout ce chemin que tu as parcouru. C'est une belle introspection sur ce que tu as fait, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus. Quelque chose grandit, tu récoltes aussi les fruits de ton travail. Si tu as fait des bonnes choses, tu reçois du bon. Si tu as fait des mauvaises choses, tu reçois du mauvais. C'est la loi, c'est comme ça. La loi de l'attraction, elle est comme ça malheureusement. Mais par contre, je dirais que tu reprends le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, je dirais que tu es plutôt dans une énergie d'évolution, donc une énergie positive, où tu prends conscience de ta valeur, où que tu sais que ça prend du temps et que c'est ce temps que tu as pris, ce temps de réflexion, c'est ce qui permet aujourd'hui d'évoluer, c'est ce qui permet aujourd'hui de toucher ton bonheur. Tu as un éclaircissement, il y a de la grandeur. Ça peut être aussi, on va te promouvoir au niveau de ton travail. C'est aussi une situation qui évolue favorablement. En tout cas, il y a une notion d'évolution, il y a une évolution, il y a de la satisfaction. Il y a quelque chose de positif ici pour toi. Les choses évoluent, les choses changent. Tu es en train de créer, en train de manifester. Et du coup, c'est ce que l'on te dit. Grandis, continue sur cet état parce que la situation est en pleine évolution. Et d'ailleurs, regarde ce chemin que tu as parcouru et tu l'as fait seul. Sois fier de toi aujourd'hui. Voilà les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et Facebook. Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Les guidances pour le mois de novembre sont faites. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et il y aura dans la partie communauté la description de votre animal totem. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.